Previously on AMC's The Walking Dead. Yes, ma balle de Humbar a touché juste avant. Du focus là. Ah bah attends, parce que j'ai pas d'angle. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Je suis à couvert. Faut qu'il continue de lui tirer dessus par contre, parce que là il me cherche. Plus de bouclier. Ah mais attends. Il me focus. Il fait mal hein. Bah je l'ai surtout shooté. Yes, je l'ai surtout shooté. Oh yeah. Attends. Y'a pas de point. Bon, il y a une sauvegarde du profil et pas de point de contrôle, mais une sauvegarde du profil. Ah oui, quand on est deux copains, vous avez terminé un acte de Corfag en coop. Bien joué, Mickaël. Ah non, ils vont pas se relever maintenant. Eh merde. Eh JD, je crois que ça va chauffer. Quoi? Ah non. Oh non. Vous m'aviez promis que vous voleriez le Fabricator sans provoquer Jean. Mais vous nous avez écoutés. Ça a rien à voir avec le Fabricator. Alors, vous avez fait quoi? Jean, elle nous a accusés de kidnapper des gens. Je sais pas ce qu'elle racontait. Je vous avais averti. Me faites pas regretter de vous accueillir. Maman, elle ment et tu le sais. On s'en fout pas mal de la vie de la CGU. Sauf si on risque la guerre. Vous trois, amenez le Fabricator dans la centrale et installez l'inverseur. Jean reviendra, j'espère que tu le sais. Il faut partir, vite! Rétablissez l'électricité et faites vite! Ok, comme tu voudras. Qu'est-ce que je savoure ce moment de scénario, tu vois, après ce mode horde qui nous a duré 3 jours? Quand la CGU arrive, donne l'alerte! D'accord, chef! 10 jours. Hey, tu as toujours dit que ce jour arriverait. C'est pour ça qu'on applique le plan. Eh, hey, dis donc, on peut pas se grouiller, Reyna est déjà sur les nerfs. Ouais, je sais, mais ça arrête pas de merder. Ce machin a passé une sale journée. Ouais, eh ben on va monter un club. C'est presque fini. Ok, JD, va à la commande. Ok, balance la sauce. T'as bien joué. Les gars. Allez, avoue-le, t'as presque failli perdre fourre. T'as touché un truc? Quoi? Y a un truc dehors. Mode horde, défendez le camp contre les locustes. Tenez. Maman? Écoute, tu dois te cacher, et après, tu dois t'enfuir. Qu'est-ce que tu fais? Kate, tu dois m'écouter. Maman!
On aurait dit qu'il y en avait des dizaines, des centaines, une nuée de vermine. Tu fous quoi, mec ? Kate. Venez, on doit les suivre. On n'a aucune idée d'où sont partis ces putains de trucs. Écoute, Jean peut nous aider. Jean essaie de nous buter. Kate, écoute. Hé, hey, je sais que l'idée va pas te plaire, mais il y a quelqu'un qui pourrait nous éclairer. Jean connaît du monde qui peut régler ça. Écoute, tu sais tout aussi bien que moi. Del, non. Qui peut nous aider? De qui il parle, Del, là? Il peut nous aider ou pas? Oui, il peut. La question est, est-ce qu'il voudra? Allez! Sur qui tu paries? Hein? Bah c'est Marcus. Bien sûr. Le fils prodigue. Il est pas mort, Marcus? Hein? Ben non! T'avais dit qu'il serait là. Il est là. Il est toujours là. La maison a l'air abandonnée. C'est parce qu'il vit pas là. Suivez-moi. Il est comme ça parfois. Tu vas vite comprendre pourquoi. Merveilleux. 15 ans. Alors, t'as grandi ici ? Je suis né ici. J'ai grandi dans un pensionnat. Non mec, si tu savais ce qu'a fait ton père... Le gars, il a quand même 3 fois ce... Allez, on va dire 3, mais 150 fois sauvé le monde. Je peux pas lui en vouloir, ça mec. Ça a toujours été comme ça ? Non, pas du tout. J'ai plein de bons souvenirs de cet endroit. J'aimerais pouvoir en dire autant. Les mecs, ils font absolument pas de bruit en arrivant. Oh, quel plaisir d'avoir passé ce mode horde. Eh ouais, franchement. Cette petite balle d'Umbar à la fois qui fait tomber le gardien, j'étais content. Bienvenue chez toi, James. Comment tu savais qu'on était là? C'est nouveau, ça? Non, pas tellement. Papa, on a besoin de ton aide. Je vous ai assez aidé comme ça. J'ai pas la CGU aux trousses cette fois. Del, toi aussi t'es dans le pétrin? Jusqu'au cou. Oh, t'étais censé lui éviter les ennuis. Tu sais très bien que c'est pas possible. Je ferai bien les présentations, mais vous allez pas rester longtemps. JD, montre-lui. Me montrer quoi? Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Enlever? Avec tous nos amis. Pas, je crois que tu devrais regarder ça. Non, tu vas te taire. Je t'avais bien dit de pas rejoindre la CGU. Tu m'as écouté? Papa... Je t'avais pourtant dit de pas rejoindre les étrangers. La CGU va te traquer. Et toi, t'as rien écouté. Ferme-la et regarde ça. Merde. Dylan, tu m'as dit que c'était pas la CGU qui te coursait. Ouais, mais ça, c'était pas tout à fait vrai. De Dieu de merde, James! Ah, lieutenant. Je crois que nous avons une conversation à finir. Jean, écoutez, vous avez vraiment aucune idée de ce qui se passe ici. Que vous croyez? Sédition, menée par un certain James Dominic Phoenix. Fils d'un vieux gear acariâtre. Tenez, à ce propos,
Désolé pour la porte. Vous fatiguez pas. Pas la peine, on allait partir. Que ce soit bien clair, sergent. Si vous choisissez d'aider ces fugitifs, je ne peux pas vous protéger. Ouais. Ouais, ça paraît logique. C'est le troisième qu'on pète déjà. Mais il aurait pas pu lui dire. Dire quoi? Au fait, on a les locus docu. Non mais il a compris, Marcus. Parce bah qu'en ouais, fait, mais ce il aurait qu'il a pas vu... pu lui dire. Ah oui, non mais bon, il va lui dire après. On est un peu occupé là. Oh, oh. Les affaires reprennent. Comme par hasard, il a une tenue de Gears pour femme. Bah ça, oui, c'est forcément. C'est le genre d'héritage familial que j'apprécie. C'est logique. T'as gardé nos armures? Je savais que vous alliez revenir. Et en plus, avec un paquet d'emmerdes. Je te rappelle qu'ils étaient dans la CGU. Bah ouais, mais pas la gonzesse. Oui, mais il y a l'armure de sa mère. Dans ce cas-là. Oh, la tronceau. Laisse-moi faire. Sérieux, c'est en plomb ce truc. Ouais, c'est un peu ça. Oh, il est badass. Ton nom? J'adore. Kate. Ouais. Bah fais gaffe à ton armure, Kate. Oh, toutes les armes qu'il y a. On peut choisir, j'espère. Elle était à ma mère. Tu vois? Bah t'es sûr. Hey, tu fais quoi? Je te demande juste une faveur. En parlant de faveur, tu veux sûrement récupérer ça? Merci, Dale. Oh oui. Ok. On va départager la CGU ancien et nouveau style. Et tant qu'on y sera, on fera dégager ces enfoirés de chez moi. Allez. Oh merde! Où défonce les murs? Ça rentre? Ils sont dans les murs! Ok, d'accord. Kate a rush direct. Attention! Ça va, t'as moi raté je suis la grosse. Ah oh bah oui, mais c'est un pas moi qui ai lancé la grosse. T'as qu'à pas rush, mec. Hein. À qui le tour? Pourquoi je gagne pas de points là en les tuant? On est pas en mode horde. Ah. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Papa! Atteindre mon camion! Mais l'hélico s'est déjà passé, je crois. Mais non. Croyez-moi, cette fois vous ne vous sentirez pas si facilement. Putain, venez de le régler. Faut tirer dans les moteurs. Les moteurs en dessous de l'hélice. Oh merde, 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 merde. Détruisez ces moteurs. Oui bah c'est ce que je viens de dire. T'as compris où fallait tirer hein. Ouais ouais. Ok, je vais mourir. Ah ouais d'accord. Ah oui, j'avais oublié que dans ce jeu là c'était quelques secondes après. Le ah ouais d'accord, je crois que ça je m'en remettrai plus jamais. Pourquoi? Bah parce que je l'avais oublié le ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord, donc déjà y'a pas de niveau de base. Oh merde, il défonce les murs. Ah ouais, t'es change comme ça. Je suis pas hors la loi, j'ai mes papiers sont en règle. Et mon papa c'est Marcus. Le mec dit début de la capture, mais on est bien d'accord qu'il veut nous tuer. Oui. D'accord. C'est comme ça qu'il capture les gens, lui. Exactement. J'en ai eu un. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On doit atteindre mon camion. Ok. Oh, sûrement un hélicoptère. Croyez-moi, cette fois vous ne vous en tirez pas si facilement. L'hélicoptère c'est déjà passé, c'est bon. Putain, je venais de le régler. Bon, changement de plan. Ok, ok, ça va recommencer, je vais mourir direct. Ah non, c'est bon. Je sais pas si les caisses tiendront le coup. Vise le moteur de gauche si t'es à gauche. Ah, vise le moteur de droite, je suis à droite. Bah, vise celui que tu as en vision. Ok, les caisses se détruisent pas, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, les roquettes, j'en ai un peu peur, je vais pas te mentir. Wow. Il m'a détruit ma planque. Oui, il faut que tu restes derrière les caisses là. Regarde le petit coffre qu'elle est devant toi.
Enfin derrière toi plus précisément. Ça va, ce morceau de mur là il détruit pas. Ok. Moi j'ai trouvé une petite boîte qui se casse pas non plus. On est en train d'allumer le moteur gauche perso. Le moteur gauche du truc ou le moteur gauche par rapport à nous? Non non, le moteur gauche. Ah, c'est bon, on l'a presque cassé. Ah. Par rapport à moi, donc complètement pas à l'enlève. Hé, elle se replie. Elle abandonne. Mais non, mais non, oula. Merde, on peut retourner dans la pièce, prendre des munes. Ah ouais, oui. On se replie. Viens, on retourne dans l'acte 1. Ça, ça va me servir. Non, non, jamais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ah oh, putain, Marcus à terre, il va se faire exécuter. C'est... Quoi? Mais comment t'as fait ton compte? Viens là, Kate. Ah merde, attention! Flancage à droite, flancage à droite! C'est bon. Bien joué, Marcus. Enfin, je veux dire papa. Hélico revenu! On se remet en place! Ah, mais il va pas tirer des roquettes cette fois-ci! Oh non, à gauche! On va se faire flanquer! Ah oh oh! Ok, je crois que c'est comme pour les boomers, tant que t'es contre un mur, ça devrait aller. Oh là 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 là. Bon, j'avoue que j'ai pas l'angle là, mais bon. Ah, peut-être que... T'avais un bon angle. T'as vu, vu qu'il te focus, je vais en profiter. Ok, j'ai plus de tête, je suis mort. T'as plus de tête? Oh non, mais putain! Oh, un coup d'air! Bah attends, elle dit grenade, puis elle dit plus grenade. Quoi? Oh! Roquette! Parce que là, c'est en plein où je suis, hein. Ah, je peux pas l'avoir là. Plus de balles. Ah, j'ai entendu. Roquette. Oh putain. Voilà, terminé là. Ouais. Oui, bien joué celle-là. Oh, attention, 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 attention. Attention, des roquettes. Parce que là, c'est décalé, hein. Putain, il me faut des munes. Ah non, c'est bon. C'est quoi ce fucking délire? Je suis pas mort, hein. Mais... Bah, j'ai l'impression d'être à couvert derrière le mur. Oh la vache, mais elle les a balancés comme ça, hein. Faut prévenir. Bah je t'avouerai que je vais pas venir, hein. C'est vrai qu'il a une bonne cadence de tir, le Lanzor. Ah, et voilà le rétro Lanzor, mon gars. On était vraiment en dessous de tout, hein, la première fois qu'on l'a fait. Ah ouais, ouais. Bon, papa, je vais me chercher des mines, moi. La CGU est toujours après nous. Ton camion vient d'exploser et ta maison flambe. Dis-moi, t'as un plan B? Ouais, j'en ai un, mais il est dans la cave. Prenez des munitions et foutons le camp ici. Je crois savoir ce que c'est. Bon, par contre, je crois que je vais prendre un pompe hein, maintenant. Ouais, bah. Hey, je peux? Arrête de dire, hey, je peux, dès que tu ramasses un truc, ramasse, c'est tout. Putain. Non, mais le gars, il est obligé de commenter tout ce qu'il prend, quoi. Il trouve des grenades, il fait, hey, hey. Ok. Et ah, mais non, en fait, je vais pas prendre. Allez, hop, je jette ça, c'est bon, vas-y. Bon, dévêchant, t'attends. Moi, je suis courte et longue portée, c'est tout. Y'a pas de moyenne portée. Y'a pas de demi-mesure. Allez, on y va. Bah, en même temps, si, t'es forcément moyenne aussi. Tu peux tirer ouais, en moyenne portée avec ta carabine. Oh putain! Hey,
C'est bien. C'est toi. Attention, une boulette. Ah, c'est bon, elle est là. Les bots, ils sont tellement en train de donner à manger aux bots. Oh, oh, attention. Je vais rechercher des mines. On peut coller les grenades au mur, je crois. Oui, c'est B, ils pourront les planter. Et tu peux aussi les planter sur les mobs, il me semble. C'est bon ? C'est bon, vous avez le... Attends, il y a peut-être des trucs à ramasser, oublie pas. Ah ouais. Pourquoi? Ok, d'accord, vous passez. Ah. C'est toi qui as pris la batteuse? Oui, tu la voulais? Non, ouais, mais je pensais que c'était Marcus. J'ai joué du piano. C'est la musique de Westworld. Eh, hey, qu'est-ce qui se passe en bas là? Y'a du monde. Mais elle va être pétée la batteuse, il me semble. Débarrassez-vous d'eux, on doit atteindre la cave. Que vu que tu dois sortir ta tête avant de pouvoir tirer. Ah ouais, d'accord. Attention à l'explosion. Ah bah si tu veux la batteuse, je la laisse derrière. Elle est où? Elle est là. Bah elle vient de tomber dans les escaliers. Ouais, j'ai failli mourir en la prenant. Faut que je tente une roulette pour atteindre de l'autre côté. Je vais attendre de... Ah, ça monte, ça monte. Oh, bim. Allez. Ok. Ah, il rush. Il est mort. Il y a un autre au fond. Je viens de me prendre de l'huile de coude sur la tronche. T'employer la force? T'employer la force, Anakin, c'est toi? Les gars, cet endroit est en train de s'écrouler. Non, merci, on est vraiment Kate, là, bravo. Pourquoi je suis en train de mourir? Merde, je suis en train de crever. Bah je vais tomber, hein, je vais pas mentir. Ah bah je suis mort, j'avais pas vu... En fait, j'ai pas vu que le feu est en train de me consumer intérieurement. Je pense que c'est ma rage qui vient me tuer. Allez, go. Ça y est, ils sont partis? Non, ils restent en fond. Ok, go, 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 go. Cet endroit est en train de s'écrouler. Parce que je sens les vibrations dans la manette, donc... Ah, tu sens les vibrations? Oh putain. Bah j'ai manqué de me faire écraser par... je sais pas ce que c'est. Bon oui. Bah c'est celle-là qu'elle a cassé, Samuel. Sam, c'est celle-là qu'elle a cassé. Non. Je changerai de manette après Mickaël. Ça marche. Plus maintenant. Bah maintenant. Je peux la changer maintenant? Bah attends, on attend qu'il ait fini de pousser. T'as construit un tunnel pour sortir de ta maison. Voilà. Ah, tu l'as eu aussi? Oui, c'est partagé. On est dans un vrai jeu cop là. Hein. Et un succès au passage. Un ras des champs. Mais pourquoi t'as construit ça? En cas d'urgence. Et je pense que c'en est. Bah oui, il pose pas de questions ouais, là. T'aurais pu enfin réparer l'extérieur à la place. Ça nous aurait vachement servi aujourd'hui. Hé les gars, arrêtez. Et si on parlait plutôt, je sais pas moi, des monstres qui viennent de se faire la malle avec tous nos amis? On s'occupera de ça quand on sera sorti d'ici. Des monstres? Allez, mais oui, moi. Tu sais, les espèces de locus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, c'était il y a 2 ans, Billy. Bah ouais. En fait, on a fait une vraie ellipse au jeu, tu sais. Vous savez, je suis un peu lent, donc attendez-moi un peu, là. Pourtant, on a plus le... T'as vu... le Mexicain. Oh, je le sens pas. Avec un peu de chance, Jean pensera que... Ah oui, t'as la batteuse. Exact. Elle va quand même tout faire ratisser. Ça va le faire. Bon, y'a sûrement des trucs ici qui traînent. À part des bouteilles vides. Ah. Ah. Non, ça c'est de la merde. Et ça c'est du peupon, mais j'en ai encore. Y'a pas... Vous avez pas de rétro-lanzor, les gars? Mais c'est la base, le rétro-lanzor. C'est les vrais de vrais, quoi. Merde. T'as acheté le tien? Non, non, je l'ai encore, t'es fou, quoi. Ah bah, c'était une bien belle bâtisse, hein, mais... Je te l'ai dit. Bienvenue chez toi. Bon, on dirait qu'on les a semés. Encore un succès, tu l'as eu? Ouais. Ah, tu vois, ça c'est un vrai jeu cop. T'as les mêmes succès en même temps que moi.
Ah ouais, d'accord, ça. Ouais, bah ça c'était sûr. Hein. Allez, un petit mode horde. Oh là là, j'ai esquivé un de ces trucs. Oui, j'ai vu un double shot là. Ah oui, c'est des tirs. Je suis mort. I'm out. Ah oui, j'ai sorti ma tête, j'ai fait le mariole et j'ai dit ah ouais, c'était les tireurs d'arbalètes. Je t'ai regardé direct pour voir si. Oh merde, ma couverture a laissé de la merde. Ah, je te l'avais pas dit. Ah non. Mais c'est bon, je suis vivant. Attention les tirs. Je sais plus à quel moment tu sais. Y'en a un autre qui tire. Ah bah voilà. Oh c'est la merde que là moi honnêtement. Enfin, c'est bleu. Je peux pas tirer d'ici hein. Moi je sais mais la dernière fois j'ai vu jaune et je suis mort direct donc c'est pas grave. Ça me rush. Ouais, je vois ça, on anticipe. Ah oui, ah, d'accord, on est pas à l'abri. Je crois. J'anticipais, mais tu t'es fait anticiper. D'accord. Bon, ils arrivent quand là? Boum! Boum! Il va péter, recul! C'est pas moi, t'es dingue, toi, tu penses que je vais. Boulette! Boulette! Attention, boulette! Attention, bougez! Ah! Ah, ah, boulette! Attention! Oh, il a dodge! Il va exploser! Recule! Bien joué! C'est quoi un overkill? C'est un fusil à pompe. Oh, j'en ai marre ce fusil, hein! Après un fucking match! Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Tu l'allumes ? Oui, j'essaie de tirer en fait. Ah, il m'a fait dévier ma balle, cet enfoiros. Allez, bim, bouffe. Bon, je change d'arme. Ah, oh, super, j'ai plus d'angle au moment où il a plus de bouclier, super. Il faut des bastos. En plus, j'ai utilisé. Bon, écoute, j'ai une solution, on fait moitié route. Allez, moitié route, c'est parti. Allez, c'est parti. Je fais moitié route cachée parce que là, je prends les bastos. C'est bien, tu vas l'occuper, t'es prêt? Ouais. A mon tour, je l'occupe, t'avances. Là, c'est moi qui. Non, il est en train de me tirer dessus. Ok, j'avance. Merde, j'ai raté mon rechargement. C'est bon. Ok, maintenant, on fait feu de tous les côtés. Il a presque perdu son bout. J'ai presque perdu ma vie. C'est bon. Il a perdu son bout. Allez, c'est maintenant que je rate mon rechargement rapide. Pareil. Oh non, pas maintenant. Et j'ai plus de mule. Il y en a à droite. Ouais, mais j'y vais au flingue. Allez, il y a plus de bout. Faut tirer dans les parties jaunes là. Et. Ah, oh, j'ai encore raté mon rechargement, mais tu fous de ma gueule quoi. Les mecs galèrent sur un ouais, truc qui vole. Ils bougent beaucoup quand même. Hein. Ouais, ouais. Soit je vise mal, soit ils bougent beaucoup. Il doit me rester un peu de rétro. Ah non, j'ai plus rien. Je vais bouger. Dégage, Kate. Il est dans le rouge là. Ouais, je sais, mais j'ai pas de balle donc ça sert à rien pour moi. T'as même pas de balle de pompe ou quelque chose comme non. Ça. J'ai trouvé une caisse de munitions, je vais chercher. J'ai failli mourir, tu m'aurais trucidé. Je suis en train de chercher des mines là. C'est bon, je suis prêt à tirer. Alors attends. Je suis au pompe là, il me reste plus que ça, l'overkill et le pompe. Donc faut que je me rapproche. J'ai trouvé des mines. Oh putain merde, il m'agresse. C'est bon, c'est tombé. Ah mais j'ai rien pour Bah je tire, je tire. Ah, il est sur moi. Merde, je l'avais derrière, j'ai pas le temps de tirer. Ah puis il fait mal hein. Ah mais je tire au pompe, ça sert à rien quoi. Ouais. Le rechargement m'a
sauvé, gros. Hein. Enfin, 14 dernières balles. Faut que je repasse sur le flingue. Oh, j'ai raté mon rechargement. Oh oui. Okay. Oh oui. Oh. Oh. Allez. Faut avoir un orgasme, il y a la petite musique qui... pour dire c'est fini. Attends, parce que là, du coup, faut que j'aille rechercher. Attends, avance pas trop vite. Mais j'avance pas. Je suis au même endroit, je suis en train de chercher des mules. Ah d'accord, c'est pas toi qui avance alors. Mais non, mais le gars me crie dessus, là. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Il est où mon fusil, déjà? Qu'est-ce que tu joues? Le gars, je me surprends, il est en train de mettre des coups d'épaule contre un muret. Je me il me faut un ambar. Bah ouais, mais moi mon ambar il est vide et il se recharge pas sur les caisses de munitions, donc c'est pété. Ah bon? Non. Ah bah tiens, viens, j'ai un ambar pour toi ici. Bah moi j'ai bien envie de ramasser un exécuteur en fait. Bah tu peux avoir un ambar et un exécuteur. Bah oui, mais mon rétro Lanzor. Bon bah viens, prends l'exécuteur. Et moi je prends le ambar. Mais j'ai un overkill en fait, c'est pour ça que... Ah. Voilà. Et okay, bah voilà. Dell dans ses déclarations il est toujours nickel. Et bah voilà. Bon, et le plus important quand même. T'as encore les morceaux du robot. Oh, des mules. Y'en a une de chaque côté ou pas? Parce qu'il faudrait qu'ils pensent qu'on est deux quand même, hein. Parce que je sais que bon, t'as un gros chacal et tu vas le prendre. Y'a que les balles de gun qui sont. Oh non, ça pue ça. T'inquiète, j'ai l'exécuteur. Ouais, mais ils ont un AC-130. On va reculer, hein, je crois. Ah, oh, mais on peut pas reculer. Bah non, t'as cru qu'on pouvait reculer, toi. C'est mignon. À gauche, attention. Y'a du ambar ou pas? Plantez-vous! Oh. Encore un condor! Merde! Qu'est-ce que vous allez branler? C'est ça le plus drôle, pas! On en a aucune idée! Plantez-vous! Oh, celle-là, elle était dommage. C'est dommage que ça ait pas détruit parce que ça méritait. L'exécuteur, en fait, le truc qui est pété sur l'arme, c'est qu'il a une cadence de tir de gros salopard. Ah bah oui, c'est le PM. Ouais, c'est l'UMP-45. Faut que je m'avance. Ok, tir de couverture pour JD, bah non, ça c'est moi. Oh! Ils ont un truc qui fait mal là-bas. Ok, attention à droite, ça va contourner. Oh joli. Attention, ça vient de tomber, qu'est-ce que c'est? Ok, je sais pas. Ok, ça change jambe. Ok, t'es prêt pour un tir de couverture? Ok, attends, je te dis top. Je suis mort. Ok, d'accord. Ouais, vas-y, go. C'est ça le plus drôle, pas. On en a aucune idée. À moi, mes roulades ratées, franchement. Enfin, je crois qu'il faudrait faire une compil de combien de roulades j'ai raté. En fait, je t'ai dit. Je t'ai dit go. Et. Tous, ils m'ont tous focus. Ah, ça contourne à gauche, on a pas assez de monde. Ah, j'ai plus de balles. Attention à l'explosion! Attention, il est pour toi! C'est bon? C'est bon? Comptez-vous? Comptez-vous? Comment j'ai fait pour laguer, putain? Je sais pas, mais tu t'en es sorti. C'est plus comment t'as fait pour t'en sortir qui me fait rire. Y'a des greux ici. Ouais, je prends celle de mon côté. Mais comment on a fait pour s'en sortir de la pépinière de Pépito? Cool. Bon, si tu trouves des umbar. Bah. Umbar, t'as à toi qui sait attendre. je dirais que j'ai rien vu, mais bon. C'est quoi ça? Un rétro Lanzor? Ah, vous me faites plaisir, les enfants là, franchement. Suivez le chemin. Il est bourré, Marcus? Non, mais putain, attendez là, bonne mère! Non, c'est Marcus, il a dit suivez le chemin. Oh, des munitions derrière! Bah, je te les laisse si tu veux, j'ai pas tiré quasiment avec mon pompe. C'est gentil.
Oh là, c'est quoi ce bordel? Oh, peu cher, il y a une tornade là! Oh là là, on va décorner un peu ça! Hein. Oui, JD, il vient du sud un peu. Hein. Ouais, je vois ça. Allez, monte sur le tracteur! Hein. JB vient du sud de la campagne. Retournez plus dans la serre! Ouais, du sud non, de la campagne. Le cellier sera plus sûr! Là, le cellier! Évidemment, on va nous empêcher d'arriver au cellier. Non, laissez-le dehors, il est lent. Laissez-moi rentrer. Attends, il y a peut-être un truc, non? Ouais, il y a sûrement un truc. Allez, à l'intérieur. Attends. C'est moi qui vais ouvrir la porte. Attends, le mec, il a fait que picoler, il y a des bouteilles partout. Eh, un coup de main? Et mon truc là, non.